Non, il a mouru sur place. Il a mouru. Il a pas eu de soins, quoi. Il a pas eu. Les médecins, ils sont pas occupés. Hello? Where are you? You're what? Missing it. Get down here right now. Where are you? We're in the tunnel. You have 5 minutes. Get down here right now. Okay. Hurry up. Je crois que c'est mon frère qui va devoir vous faire. J'ai un peu de magie noire dans mon téléphone et je peux pas accéder à la fourrière et tout ça, quoi. Ok, moi y a pas de problème. Je suis en service, mais je peux pas, voilà. Donc il va falloir que j'aille prendre l'avion et que je revienne. Ouais, mais y a pas de problème. On verra plus tard. De toute façon, vous savez qu'il y en a deux à sortir et du coup, on fera une facture pour les trois voitures. D'accord, pas de problème. Je dis à mon frère qui mette ça et puis qu'il vous fasse la facture. Directement quand il vous voit et comme ça voilà. Ok, ça marche Serge, pas de soucis. Bon bah je vous laisse faire le joli nettoyage de ce joli bolide. Merci. Voilà, je vais faire un petit peu de nettoyage et puis comme je dis je vais partir vite fait en revenir pour pouvoir avoir des fonctions quoi. Ça marche. Parler ce putain de téléphone. Ok, pas de soucis, Sergio. Bon petit voyage alors. À bientôt. Bah, pas de problème, je. Ça marche. Je reviens à tout à l'heure. Ok, à tout à l'heure, Sergio. Vous en êtes où? Parce que là c'est très compliqué. Pareil que ça arrive dans 800 mètres. C'est derrière vous TK, je répète, ouais, sur votre gauche TK, c'est sur votre gauche. Un à droite et un à gauche derrière leur véhicule personnel. Je suis à 100 places. Le F4, je suis à 100 places. Monsieur. Il reste un individu au milieu du carrefour, je répète, un individu au milieu du carrefour. Personne n'a battu derrière le véhicule. Ça y est, je crois qu'il est mort. Je crois qu'il a. Ouais, en visu, vous voyez quelque chose, Sergent? À première vue, négatif, TK. On va très tard. J'ai reçu une balle à l'épaule, là, j'ai. Ça fait mal. Hop, salut, Blazer. Il y a eu une attaque superette. Je sais pas ce que nous dit le KD, mais j'ai pas tout compris. Mais là, c'était couvert, KD. Pour l'instant, on jauge. On voit si ça sort et on interviendra. Que vous pouvez conduire, sergent. Ça va être compliqué, commissaire. Ok, c'est bien pris. Je fais un tour du pâté de maison en véhicule et je vous rencontre. Reçu. Ah. Ouais. Rapprochez-vous du sergent. Il est blessé. Comment tu vas, Quentin?
Merci de revenir d'ailleurs. Très gentil. Ça va, sergent? Ouais, c'est très dur. Ça a été la folie là. Bah ouais, Sky, t'es obligé, sinon on fait rien là. Garder en visu tous les véhicules qui arrivent. Ouais, c'était passé quoi ici? Une attaque de gang? Ouais, j'étais en train de contrôler un individu là devant la supérette là, que je trouvais qu'il traînait un peu trop. Bah écoute, feu, coup de feu, ça repart au bout de la rue. Reçu, TK. Sur ma position. Reçu, TK. T'es à quel niveau, TK? Ouais, prenez la rue à côté du parking sur la droite. À votre reçu. Position là, je suis au bout de la rue à droite. Ah oui, ok, reçu. Allez, on court! Je suis derrière vous, TK. Il est blessé, immobilisé, mais toujours vivant. Affirmatif. Je pense qu'il vient de rendre l'âme. Je te fais de la pub pour toi en live. Ah, merci Quentin, merci beaucoup, très gentil. Okay, mytho, bah ouais. Bon, ça a l'air d'être calme. Ouais, je pense. Ça a été compliqué là. Votre épaule, sergent. Va falloir m'emmener à l'hôpital, je pense que là j'ai vraiment très mal, je pense que la balle elle est dû rester dans l'épaule là. Ça coule là. Bon, c'est bien pris. Cadet, vous prenez mon véhicule et puis vous l'amenez à l'hôpital. Ok, merci. Merci, commissaire. Pas de risque, sergent. Pas de soucis. Non, non, il parlait à moi, Quentin, t'inquiète pas. Parce qu'en fait, je viens de lancer une attaque pour faire un peu d'animation. Ah, et tu vois, Sky, il y aurait un médecin, ce serait pas mal. Toi, je t'aurais appelé, on aurait soigné. Ça me donne envie de jouer. Bah, viens, viens. Je sais plus si je l'ai dit, mais merci Quentin pour la pub. Je suis passé te voir sur ton live, enfin sur ta chaîne. Mais tu n'étais pas en live, donc je te ferai un petit coup de follow quand tu seras live, Quentin. Et puis chez vous, qui a déjà mal. J'ai mal. Aïe. Je vais lui faire rappeler. Ouais, sergent. Merci, cadet. Reprise du service pour Golf 3. Les médecins ont pu retirer la balle dans l'épaule. Ouais, c'est bien. Ah, les garagistes ne répondent pas pour faire enlever les véhicules. Je change de radio, j'arrive. Reçu, TK. Ouais, merci, Kadé. Enfin, j'ai vraiment eu peur là. Il y a toute la bande de gangs qui sont arrivés autour de moi là. J'ai bien cru que ma vie allait y passer quoi. Ok, on va retourner à la supérette pour récupérer mon véhicule. Y a pas de soucis. Mais je crois qu'elle a pas fait embarquer la commissaire. Ouais, pas de soucis, LSB, je te ferai ça. Pas de soucis. Je sais pas, on va aller voir. Ok. Ah, vous pouvez couper les bleus. On va éviter de retourner en trompe. On va essayer de calmer un peu le jeu là. A plus, mon petit Quentin. Merci de ton passage. C'est mes mails qui ont bugué et plus mon lapin. Parce que quand tu veux, il n'y a pas de soucis, je passerai quand. Dès que tu es en live, je passerai te faire un petit coup. Je pense qu'elle a dû embarquer les véhicules. Fin de demande. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Allez.
Aux effectifs de TK, je fais remorquer le véhicule de police endommagé et retour au commissariat pour débriefing. Suis régalé. Retour au commis. On met le giro ou pas? On rentre deux ou pas? Ah, si ça vous fait plaisir, calé. Non, quoi, c'est pour savoir. C'est vraiment important, quoi, je pense, quoi. Non. Après, quoi, si on met les gyros, quoi, et après, on va se faire tirer dessus. Elle est partout dans les parages. Je regarde TDF. Ah, Tour de France. Non, alors ça, le Tour de France, je suis pas du tout accro à ça. Pas de Tour de France. Alors, je suis un professionnel de la route, entre guillemets. Et moi, voir des vélos sur la route devant moi, ça m'énerve. Alors, c'est pas pour les regarder à la télé. Bon, ça va, Cadet, vous avez pas eu trop peur tout à l'heure là? Non, non. Vous êtes un grand malade, vous, en fait. Ah ouais, moi je suis un fou, moi. Bonjour Gérard, bonjour Philippe. Bonjour Gérard, je suis Philippe. Oh, ça ira mieux dans 2 jours. Oui. Et pourquoi dans 2 jours, quel est? Bon, je sais pas, peut-être demain ça ira mieux, quoi, je sais pas. Mmh. Tout dépend comment ça vous quoi votre blessure va vous remettre. Ah oui, d'accord, ouais, oh. Je viens du Haracura, vous savez qu'elle est. Ils vont pas m'achever comme ça, hein. Je vais en profiter pour taper le début de rapport là. Ok, merci. Ah oui, effectif de TK, j'attends toujours la dépanneuse. Reçu TK. Nous sommes au Comico, nous tapons notre rapport. Ah, c'est bien pris. Pour les différents modes. Ah. Ça va, cadet? Ça va, ça va. Ok, très bien. Patientez dans la salle de débrief, j'ai à vous parler. Moi, je règle juste un petit truc. Au niveau paperasse dans mon bureau, j'en ai pas pour longtemps. Je vous laisse patienter dans la salle de débrief. Ça marche, commissaire. Ça marche. Attends, je télécharge la main. Ok, banane. Voilà, vous en avez une belle paire de lunettes, Calais. Ouais, toute neuve. Magnifique. Donc oui, un problème un petit peu plus grave. Est-ce que vous avez eu l'occasion de lire la plainte de Madame Schiapoli-Andrea? Affirmatif, commissaire.
D'accord. Négatif. Très bien. Bon, je vous transmets directement le dossier par mail. Je vous laisserai le temps de consulter et on Ouais. débriefe ou pendant ou après. Alors, patientez des petites minutes, je vous envoie ça. Regardez, il va falloir faire un effort pour lire de temps en temps les fichiers d'expédition. Vous m'avez entendu, Calais? Oui. Donc la commissaire vous envoie le mail, vous ferez attention, il y a un stage. Ouais, c'est quoi? C'est bon, c'est je suis prévu. D'accord. Mais l'histoire de la plainte, quoi, je l'avais pas vue. Très bien. Le dossier vous a été envoyé. Je vous laisse le temps de l'ouvrir et de le consulter. On en débrief après. Ok, merci. Donc là, en fait, la commissaire, elle vient de créer un truc là, et je pense qu'il va y avoir une histoire là-dessus. Va falloir mener une enquête, je pense. Donc pour vous résumer, il y a déjà un gang de mafieux là. Un gang de trafic de drogue. Et déjà quelques petites infos. Donc pour ceux qui regardent mes vidéos sur YouTube, toute scène où je parle, où je fais un rapport à la commissaire, c'est caché. C'est un accéléré avec une musique comme ça. Que je crois qu'il y en a beaucoup qui trichent avec les vidéos. Et ça me dérange un petit peu. Ah oui. Réessayer là, Ah je ouais, viens c'est de vous bon, ok. re-re-envoyer. Ok, très bien. Laisse une minute pour le consulter. Donc, concrètement, c'est quoi? J'ai des échos suite à la plainte et surtout au niveau de mon indic. Il y a une personne qui sévit au sein de la ville de Los Santos, une personne fraîchement arrivée qui apparemment commencerait à régner sur la ville. Une poigne de fer. De par mon indique, ça n'a pas l'air d'être une personne de la mafia. Donc ça a l'air d'être un bandit de bas étage. Mais en soi, il sévit quand même. Là, pour l'instant, c'est vraiment des menaces. Il n'a pas été à l'acte parce qu'il n'a pas rencontré Madame Chiapoli, je ne sais plus trop quoi, par la suite. Donc il a rencontré qu'une fois. Il n'y a pas eu de représailles non plus sur ses enfants. Par contre, j'ai des infos et je connais sa position exacte. Je ne sais pas s'il y est toujours à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle, mais j'ai peut-être la position où il est. Donc on part vraiment sur un délit. J'ai pu comprendre aussi qu'il essaye ou du moins il fait de l'illégal aussi. Son but premier est de nuire, hein, je ne vous le cache pas. Donc prenez toutes les précautions que vous avez pour pouvoir intervenir et l'interpeller dans un premier temps si c'est possible. Sinon, faudra le neutraliser. Bien sûr, je ne veux pas cette deuxième solution au premier abord. Mon but est de pouvoir l'interroger parce que si lui il fait ça, il ne le fait pas seul. Donc j'espère vraiment qu'on va pouvoir l'interpeller. En tout cas, c'est comme ça que vous allez intervenir et c'est comme Take the ça que vous allez faire les characters and choses. stories you love. Si vous voyez qu'il devient hostile et qu'il sort une arme, écoutez, vu la situation où c'est et l'endroit précisément, ça reste compliqué. Parce que de par mes dires, il serait en association avec un groupe de motards, de type biker. Donc ils sont aussi lourdement armés. Je ne vous cache pas que la zone va être très compliquée à contrôler. Je ne pense pas qu'on soit les bienvenus, du moins pas pris comme ça, parce qu'ils ne s'attendent pas du tout à notre visite. Donc allez-y avec tâton. Si vous voyez l'individu, faites en sorte de l'interpeller. Et puis s'il n'y a aucun moyen, bah écoutez, les ripostes, vous savez quoi faire. C'est bon, j'ai le Vous avez repas. normalement dans le... Excusez-moi, Cadet, vous m'avez dit quoi?
Ouais, c'est bon, j'ai lu le rapport. Très bien. Vous avez vu les clichés photographiques qui ont été donnés? Ouais. Ok, très bien. Voyez-vous où se situe le lieu? J'agrandirai les photos, je vais voir ça. Bon, précisément, je vais vous le donner. Vous allez à la société de taxi. À côté de la société de taxi, en face même, si je puis dire, quand vous sortez de la société de taxi, c'est tout de suite sur la gauche, de l'autre côté de la rue. Vous avez un garage automobile qui est tenu par des bikers. Apparemment, les transactions de drogue se font ici. Il ne fait pas partie du groupe de motards, hein, il est vraiment indépendant, hein, de ce que j'ai pu voir, hein, mais il deal avec eux. Donc le mieux, c'est de s'y rendre avec précaution. Pour l'instant, on n'a rien contre ces bikers, hein, même si on sait pertinemment qu'ils doivent dealer, hein, parce que vu qu'ils ont des armes et que techniquement c'est interdit sur Los Santos, ils doivent pas être clean non plus. Mais par contre, ce qui nous intéresse, c'est vraiment je dirais pas cette tête pensante, mais cette personne, hein, concrètement. Donc, vous avez plusieurs clichés qui vont pouvoir peut-être vous aider sur le physique de la personne. J'en ai vraiment pas plus, hein. C'est mon indi qui a pu me donner ça. J'ai pas d'autres renseignements. Alors, attendez. Je viens de voir que, en fait, vous n'entendez pas Discord ni quoi que ce soit. Vas-y. Ouais, je suis là. Oh, Alors, excusez-moi, j'entends pas bien. ouais, je suis là, j'ai eu un petit bug là. Ok, très bien. Vous voyez où c'est? Oui, au niveau du taxi là, l'entreprise de taxi. Tout à fait, c'est ça, ouais, Ouais, l'espèce de garage de biker. oui. Oui, j'avais bien suivi jusqu'à là, commissaire. Ok, très bien. Donc, surtout, je veux pas de risques inutiles. Mon but, c'est pas encore, après ce qui vient de se passer, qu'un de mes effectifs soit encore blessé. D'accord? Monsieur le commissaire. Reçu. Bon, c'est bien pris. Il est toujours sur place. Donc, vous y allez à deux véhicules, pas un, parce qu'il faut faire un effet de masse. Donc, Ouais. vous y allez et puis vous me rendez compte par radio. Hein. Ok, Pas pas de de souci. soucis. Par contre, je veux un petit renseignement supplémentaire, commissaire. L'individu, il ressemble à quoi? Parce que sur toutes les photos, on n'a pas la même personne. Alors, je sais pas s'il y a une transaction entre les Ouais, certaines personnes. je vous avouerai que c'est un peu vague. Apparemment, il aurait les cheveux courts. Il change souvent de tenue. Donc, il est les cheveux courts de type européen, de corpulence assez athlétique. Mais j'en sais pas vraiment pas plus. D'accord. Quelques photos m'ont été données, comme j'ai pu vous les transmettre. C'est vrai qu'il y a plusieurs personnes différentes sur ces photos-là, mais je pense que c'est les personnes qui sont en association avec lui. D'accord. Tout ce qu'on peut savoir, c'est que c'est un homme, ce n'est pas une femme. Donc essayez de faire au mieux. Par contre, il va falloir se dépêcher, agent, J'ai une parce question. Est-ce que qu'on a le droit oui, que une d'être. autorisation pour être en civil? Négatif, Faire du Lucien. rang. Vous n'avez pas l'autorisation. Ok, merci. Lâché là. Ok. Donc, je vous laisse vous y rendre et surtout, vous me rendez compte par radio. Hein. Ok, reçu, commissaire. Ça marche. Oh, si. Allez-y, faites attention. Ça marche, merci. J'arrive au niveau du taxi, l'entreprise de taxi. Vous intervenez à deux, hein, vos effectifs. Vous intervenez à deux, hein, je le répète. Oui, reçu. Golf 4, vous êtes où? Golf 4.
Golf 4, vous me recevez? Golf 4 de TK. Je l'ai pas en visu. Y a problème. Je le contacte par téléphone. Reçu. Je crois que nous l'avons perdu, TK. Allô? Oui, Golf 4. On a des petits soucis de Discord. Ouais, c'est bien pris, vous avez fait peur. Hop, voilà, j'arrive. J'ai tout, Golf 4. Là, je suis en bas, je suis en train de monter la côte pour le taxi. Ok, je vous attends devant l'entreprise de taxi Golf 4. Votre GoPro est branché Golf 3. Affirmatif. Bien sûr. Allez Cadet là, que vous faites quoi Cadet? Allez, un peu niaque là, cadet, un peu niaque. Monsieur, bonjour. Monsieur, bonjour. Monsieur, vous allez où là, là-bas là? Monsieur, monsieur. Ça marche jamais. Attaque à main armée, je répète, attaque à main armée au niveau du biker. Ça fait qui, faites attention, pas de risque. Reçu. Calais, prenez votre arme lourde, je répète, prenez votre arme lourde, Calais. Il n'y a pas de sortie de côté là. Trois hommes à terre, je répète, trois hommes à terre. Quatre hommes à terre, je répète. Oh. Ah, je suis touché. Je suis touché. Oh. Oh. 4 ici, toutes les unités. Sergent, vous m'entendez toujours? Sergent? Allô? Sergent?
Un échec complet là. Un total échec. Totalement un échec. Vos effectifs c'est calme sur les ondes, rendrez compte à TK. Golf 4, ici TK. Si Golf 4 peut-être, transmettez pour TK. Tous les individus sont intrésés. C'est bien pris. Est-ce que vous avez trace de l'individu recherché? Non, négatif. Quoi, j'ai le sergent quoi, qui a été à terre. Ouais, c'est bien pris. Golf 3, Golf 3 de TK. Golf 4 de TK. J'écoute. Golf 3 a été transporté à l'hôpital? Non, il a mouru sur place. Il a mouru. Il a pas eu de soins, quoi. Il a pas eu. Les médecins, ils sont pas occupés. Il a mouru. À mon avis, il a dû être ramené. À l'hôpital, parce que j'ai été contacté par les services hospitaliers, comme quoi ils ont un de mes effectifs à l'hôpital. Bah, je vais essayer de le rejoindre pour le récupérer. Ah, c'est bien pris. Prenez contact à l'accueil, je pense qu'ils, selon sa situation physique, ils pourront peut-être vous renseigner. Et tenez-moi compte par la suite. Okay, bah. Golf 3 pour Central. Ouais, transmettez Golf 3. Je m'excuse, j'ai un peu mal de tête là. Y a quelqu'un qui vient me chercher à l'hôpital ou pas là? Normalement, Golf 4 devrait déjà être avec vous. Golf 4 de TK. Oui, j'écoute. Vous avez oublié Golf 3? Non, quoi, avec les bouchons, ça circule. Ah, mettez le de ton nom. Dépêchez-vous, Golf 4, parce que je vais mourir de soif là. J'arrive. Ah putain, non. Non. Vasily, dépêche-toi. Golf 3, vous êtes où? À l'hôpital, mais à l'arrière, sur le boulevard là. Engine Avenue. C'est pas l'hôpital où il y a la croix hein. Sur la carte, c'est l'autre hôpital. Ah, d'accord. Oh, dépêchez-vous. Golf 3, c'est quel boulevard? Engine Avenue. Quand on sort du commun, on est sur le boulevard côté du commissariat. Ben, moi, ils m'ont fait sortir derrière cet hôpital-là. Je suis à 1,6 km. Alors cadet, allez, emmenez-moi à la supérette la plus proche. Roulez, je vous mets un point cadet. Allez tout droit, non. Demi-tour. Je peux pas changer le point, vous avez déjà mis un point. Allez tout droit, Calé. Toujours tout droit. Désolé pour le retard, je pensais pas quoi c'était cet hôpital là. Ah, c'est pas grave, Calé. Mais la prochaine fois, ouais, dès qu'on sort du commun, on arrive à cet hôpital là. L'autre hôpital, c'est pour les médecins. Ok, bien sûr, moi je pensais quoi. C'était pour pareil pour coma ou n'importe quoi.
Hop. Ah, excusez-moi, des fois mon cerveau il marche un petit peu à l'envers là. Ouais, là, un véhicule de civil qui m'a percuté en venant vous chercher. Ah, ok. Après sur TF pour les modes, ça sera. Ah, super, ça marche, banane. Avec plaisir. À tout à l'heure, ma couille. Non, Bonjour. monsieur. En fait, du moment où vous avez le permis voiture, pour l'instant, le gouvernement de Los Santos accepte. Bon, salle de débrief. Ouais. Ça va aller, ça va? Ouais, ça va aller, commissaire. Avec 2-3 aspirines, ça devrait le faire. J'espère. Ils vous ont donné de quoi vous shooter un petit peu, parce que apparemment vous avez l'air d'avoir bien mal. Ouais, mais ça va revenir petit à petit, commissaire. Sergent, donnez-moi un débrief. On s'est garé devant le concessionnaire taxi, enfin l'entreprise taxi, pardon. Et du coup, moi j'ai attendu le cadet, nous sommes descendus de nos véhicules. Ensuite, on s'est orienté vers la zone de bikers là. Et donc, on s'est approché avec nos tasers en main et il y a un individu qui est parti en courant. Je l'ai pris en chasse, je lui ai demandé de s'arrêter. Cette personne-là n'a pas voulu s'arrêter et au moment où il s'est retourné, il avait une arme à la main. Du coup, on a donné des coups de taser et à partir de là, c'est parti en guerre, quoi. Ensuite, on s'est réfugié dans un petit impasse. Et là, on était vraiment bloqué dans l'impasse et voilà. Et après, j'ai reçu une balle et après, j'ai perdu connaissance. D'accord. Pouvez-vous me donner le signalement de la personne qui s'enfuit? Là là, attendez. Alors je sais qu'il avait un bas noir avec un haut Un blanc, blanc. rouge. Ouais, blanc avec quelques couleurs du haut. Ouais, blanc. J'aurais dit blanc noir. Ouais, peut-être du rouge, peut-être. Ouais, un genre de pull à carreaux, un truc comme ça. D'accord, ok. Est-ce qu'il correspondait au signalement qu'on recherchait? C'est-à-dire cheveux courts de type européen, corpulence athlétique, qui correspondait? Je vous dirais plutôt non, commissaire. Salut, Matrix, le nom des taxis, D'accord, c'est... ok. Ici, normalement, ça doit être les Bon, taxis Los Santos, Quentin. Ouais, cache Skype. pas que ce qui s'est passé a fait que la personne qu'on recherchait exactement était bien sur les lieux. Il est parti avec la drogue du deal et une valise qui était de base pistable de 800 000 dollars. Je ne vous cache pas qu'à l'heure actuelle, nous avons Walou, ni l'un ni l'autre. Moi, va falloir que je rende compte au procureur de ce qui vient de se passer. D'accord. Je vous cache pas que je suis pas super contente. Je sais pas réellement ce qui s'est passé sur place. Je pense que la GoPro a été activée, donc je Bien sûr. regarderai les vidéos à ce moment-là. Je vous cache pas que si je prends un coup de 12, vous allez prendre un coup de 12. C'est bien reçu, commissaire. Bien reçu. Très bien. Bon, du coup, prenez soin de vous physiquement, sergent, parce que vous avez pris cher, hein, ce que j'ai pu voir, ou du moins comprendre. Pour vous, cadet, ça va physiquement? Ça va. C'était un peu chaud là-haut, quoi. Ok. Sergent, si vous vous sentez d'attaque, vous pouvez continuer à patrouiller. Pareil. Vous aussi, cadet.
Si Ouais. le trop-plein d'émotions se fait ressentir, vous pouvez retourner au poste et vous mettre en civil pour souffler un petit peu. Ouais, il m'en faut plus que ça, commissaire. Costaud, hein, monsieur Macadam. Oh. Ouais. Bon, vous me faites quand même un petit rapport, chacun de vous, pour Ouais. expliquer de votre point de vue l'importance des deux. Et puis vous me le transmettez une fois que c'est terminé. Pas de soucis, commissaire. Bon, très bien. Maintenant, il va falloir que j'explique tout ça à monsieur le procureur. Donc, je suis dans mon bureau et indisponible. Ça marche. Merci. Il s'est passé quoi, Cadet, après que je sois tombé dans le coma, là? Bah après, quand vous étiez à terre, quoi, j'ai fait un appel à toutes les unités pour avoir une ambulance. Il y a une ambulance qui est arrivée, quoi. Elle n'a pas fait grand-chose, elle voulait sauver les méchants, là. Et Ouais. après, quoi, elle a eu encore d'autres individus qui sont venus, quoi, pour finir le boulot. Et après, moi, j'ai neutralisé tout le monde. D'accord, et il était combien en tout? Bah reviens sur 10. Discord, Kai. D'accord. Bon bah faites votre rapport du début à la fin. Et puis bah moi mon rapport s'arrêtera jusqu'au niveau du commun. Ok, merci. Et je compte sur vous, Bah Kadé, pour faire après, un quoi, bon rapport. après que vous êtes au coma, après quoi, j'ai fini la fusillade et terminé. Et D'accord. après, j'ai contrôlé autour pour voir s'il y avait du monde qui restait planqué. Essayer de voir le dealer, mais j'ai pas trouvé. Ok, ça marche. Bon bah faites votre rapport et puis on verra. Là à mon avis, Calais, Ouais. je vous dis tout de suite, Calais, si je prends cher par la commissaire, vous allez prendre cher aussi. Hein. Ah oui, ça je sais. Parce que je vous dis honnêtement, Calais, travail d'équipe zéro. Comment ça? On n'a pas été au top travailler en équipe là. Ah Man ouais. manque, manque de communication, Calais. Allez. C'est une première, donc c'est normal le Calais. Ne vous inquiétez pas. Moi, je pense quoi, pour cette opération, ça aurait été mieux en civil. Mais après, c'est la commissaire qui choisit. Oui, non, mais. Un civil et un en tenue, ça aurait été plus simple. Le mec en civil, il fait du repérage, savoir s'il a Mais vraiment le dealer dessus. un repérage a déjà été fait, Calais. Ouais, même s'il avait un repérage, y aller en civil, quoi. Une personne en civil, quoi. Passer comme ça, comme en civil, en normal. Comme un citoyen, je voulais dire. Ouais, je vois ce que vous voulez dire, Qui mais passe dans voilà. la rue. Ouais, je vois ce que vous Ouais, voulez dire, mais cela me bon. regarde pas. Voilà, c'est la commissaire qui décide, il faut obéir à ses ordres, Calais. C'est ça. Allez, ça marche.